السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد جعيتي في فيديو جديد حول تعلم لغة الجافا سكريبت. alors maintenant غادي نشوفو لي طابلو. دونك شفنا في لا بروميير فيديو حول لي فاريابل كيفاش نديكلاريو لي طابلو. دونك maintenant غادي نشوفو اون ديتاي لي طابلو وغنزيدو عليهم حتى لي زوبجي. alors pour déclarer un tableau كنستعملو مثلا var un tableau par exemple array 1 regardez par exemple un tableau vide voilà je peux mettre aussi par exemple array 2 et il y a par exemple des valeurs a b C. Je peux même déclarer par exemple un objet. Donc, je vais mettre un array object. Voilà qui veut déclarer les objets. Donc, par exemple, nom. Tu as la valeur maintenant Ahmed. Prénom. La valeur maintenant Souheili. C'est un âge, tu as 30, super. Donc maintenant, l'objet Hada, et tout est qu'on lia le tableau d'Yeli. Par exemple, var, gna var, dire object array. On a fait array object. Est-ce que c'est possible ou non? Donc, possible, mais c'est à déclarer. Par exemple, point nom. Par exemple. Je pense, Letty. Voilà. L'erreur vient. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, donc, je peux afficher, par exemple, console.log object array point de quoi? Donc, là, je vais préciser. Les lettres 0, on va afficher l'objet Kamel d'Yeli. Voilà. Donc, attendez l'objet Kamel. Nom, prénom et âge. Donc, il y a des prototypes, c'est un peu de l'autre. Alors, donc, il a dit 0, donc les points, pour mettre un nom. Ou je vais dire le nom. Non. La syntaxe sera. Quand on a un hat H, c'est un point, non. On dit qu'il y a un array, object, point, prénom. On a un array, object, point. Âge possible. Possible ou non? Oui, possible. Je vais la mettre. Je vais maintenant afficher Kulchi. Object array 1. Donc c'est plus. On a fait les deux valeurs. Donc le principe est bien clair. Voilà, Ahmed Souheili. Super. Maintenant, déclarer un objet ou un tableau. Donc par exemple, new array. Donc voilà, je peux déclarer par exemple 0, ça donne A. Et 1, ça donne et tout ça donne C. Alors voilà, donc le tableau c'est nous objet d'yenne
Voilà. Tableau, c'est un objet. Par exemple, je peux mettre employees, مثلا, les employés. On va dire هذا مثلا employee نعطيه ID مثلا ID 1 عنده nom par exemple Ahmed عنده salaire مثلا 3450 دولار par exemple. Je peux mettre aussi donc une liste. هكذا غنخدمو ان شاء الله في رياكت جي اس باش مثلا افيشي واحد بار اكزومبل اون ليست فيا واحد الاي بي اي بار اكزومبل كيف دابا ليست دي لي زومبلويي بغيت افيشي انت في واحد لو سيت دير واحد لو طابلو انسي دو سويت دونك بار اكزومبل هنا قلنا نو مثلا نديرو علي ابراهيم هنا حمزة هنا بار اكزومبل نعطيه هذا 5000 هذا 7000 اي هذا 4000 فوالا دونك كومون جو بو افيشي فالور بار فالور دونك كونسول بوان لوغ كوا امبلويز دونك لامبلوي سيت تابلو دونك خصني ديكلاري ندير المعقوفات ديالي او بيان براكتس الوغ امبلويز دونك مانتونو بغيت نافيشي الاي دي ديال لو دوزيام اوكورونس كومون جو بو فير سا دونك ان بوان او بيان ان بوان دونك سي اي دي فوالا سي كوم سا L'employé 1 point l'ID ديالو. Voilà, c'est 2. L'employé 1 point salaire ديالو. Donc, c'est 7000 ou marginal. Donc, voilà. Tableau, ou sinon, des objets. Super. Alors, comment je peux faire une boucle à la de la table, à tableau head? Donc, for. Soit, dire, donc, il y a un chouffou les boucles, qui est for, qui est map, et aussi qui est for each. Alors, si je fais for each, j'ai envie de dire, array ou array. Alors, par exemple, array d'Eli ou emploi is. Élément où je peux déclarer par exemple E. Donc, j'affiche E point nom. Donc, elle est chargée les tableaux Kemlin. Alors, console point log. Ou là, je peux mettre avec Kemlin pour une variable. Var, maintenant, fetch. C'est mis à fetch. Là, qu'est-ce que vous voulez là? Alors, console.log fetch les déclare super alors tapez undefined alors un chauffe qui fait je peux mettre l'affichage pour afficher directement au stade de la boucle afficher directement donc console.log voilà. Voilà. Ahmed, Ali, Brahim, Hamza. Super. Donc, voilà. Qui va je dire une boucle là, un tableau. Alors, par exemple, on dit map. Map point. Là, on dit array. On dit un tableau, par exemple, employees. Point map. Là, tu as un map. La même chose. غير هو ماب في الرياكت جي اس الا ما درتش الكي كيقول لك ضروري من دير كي الوغ باغ اكزومبل جو بو افيشي ندير نسميها يوزر هاد لي ميثود اللي كتشوفو فيهم هما ميثود اكما سكريبت غادي نشوفو هاد كيفاش نديكلاريو دي ميثود اكما سكريبت ابخي
Alors, par exemple, user point salaire. Console. Console.log salaire. Super. Alors, il y a une erreur. Pourquoi? Reference is not defined. غادي نحلوا المشكل. Alors, هنا ah oui, c'est sûr. Voilà, les salaires. Super. Donc, voilà les tableaux. L'aham, انكم تعرفوا في les tableaux ou comment je peux déclarer un tableau avec JavaScript. كيفاش initialiser un tableau soit vide, soit avec des valeurs. كيفاش نحط واحد لوبجي. Comment je peux mettre un tableau avec des objets. Ou comment je peux créer ou bien dire واحد la boucle, là, واحد tableau bien précis et j'afficher les résultats de ce tableau. Donc voilà, j'espère que vous avez tout. On se retrouve, inch'Allah, dans une vidéo prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.